Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les trucs les plus, on va dire, les plus dangereux de Windows. Alors, c'est pas les plus, ce n'est pas les trucs les plus dangereux, mais c'est ce pour que le système d'exploitation ne pour qu'il puisse démarrer. Alors, je vais vous montrer les dossiers. S'il vous plaît, ne rien supprimer, même s'il y a des documents comme, on va dire, inutile ou des trucs comme ça. Ouais. On va partir dans. On part dans vos dossiers, dans vos documents ici. Dans mes documents. Après. Si vous n'avez pas les mêmes trucs comme ici et eux, c'est normal. Vous allez partir. Ce que je peux. Ici, c'est comme un serveur. Quelque chose où je peux me connecter. Vous allez partir dans votre C. Le mien, comme le nom de mon ordinateur, s'appelle APSI. Ici, APSI. Le nom, il va s'appeler APSI. Après, vous allez. Ici, vous avez quand vous devez avoir certains documents. Par exemple, pour l'orthophoniste, il n'y a rien d'organisé dans tout ça. Il y a seulement ça. Il n'y a même pas ce document. Il n'y a aucune organisation. Alors, soyez très organisé. Si vous n'en avez pas. Oh, wow. Ok. Alors. Oui, voilà. Et si vous avez les documents, vous devez ne rien supprimer dans tout ça. Le système de son système. Ça, c'est Dell. Bon, c'est. Des fois, il y a des trucs assez bizarres. Par exemple, ici, le logo de eBay. On n'a même pas mis en plus. Bon, Intel. Tout ça. Alors, le système d'exploitation, c'est Windows. Et on a quelques-uns dans le système. Non, pas ça. Il y en a certains dans lui et lui. Il y en a aussi qui sont là, ici. Il y en a pas mal partout. On va dans le app data. Après, on va aller dans le app data. Accessoires. C'est quoi ça? Oh, merde. Putain. Trois importantes. Ok. Alors, au début, on va aller dans la plus importante. Dans Windows. À ne rien toucher. Alors, ça fait déjà 2 minutes. Alors, si vous voyez, vous allez avoir plein de documents. Pas tout le monde a les mêmes trucs. Ah, il est là, le document. Bon. Ok, vous avez ça, ça, ça. Pas tout le monde a les mêmes. Lui, je pense que c'est. Je vais vous montrer la partie la plus intéressante. Puisque, ouais, ça, c'est quand, on va dire, les. Ne rien toucher, vous allez voir que c'est un peu différent des autres. C'est comme ça, c'est pour le Office. Office PowerShell. PowerShell, c'est un peu comme. Ça ressemble à DOS. Ça ressemble à DOS, c'est un accessoire. PowerShell. Quoi, y a rien? J'arrive pas à croire, y a rien. Jamais fait remarque. Puisque c'est comme un logo, ici SQL Server, c'est comme un logo, on va dire, en bleu. Et quand on dit, c'est un écran bleu où tu peux. C'est comme DOS, mais en bleu. Et des trucs comme ça. Microsoft Web, il y en a plein de documents comme tu peux croire qu'ils sont inutiles. Je pense que si ils ne t'aident pas de les supprimer, tu peux, je pense que tu peux même pas les copier. Alors, uninstall, tu peux désinstaller, ne rien désinstaller, et s'ils disent leur place, 64. C'est 64, ça veut dire, comment ça s'appelle au début, l'autre partie, programme 64. Alors, ici, il y a la police, je pense, la police d'ordinateur ou la sécurité, tout ça, le système, Windows, tout ça, ici. Alors, je suis le premier à faire ces vidéos, à faire cette vidéo, je pense, puisque j'ai rien copié. Alors, ouais, c'est ça. Ici, s'il y en a, c'est pas trop quoi. Boot.
Ça doit être DVD. C'est comme un e-server qui ne fonctionne pas. Ça me dit ça. Dans boot, ça me dit quelque chose, ça. Mais sur Windows X, sur Windows 8. Ça, TTF. .tts, c'est comme les polices d'ordinateur où tu peux les installer. Tu cliques install, c'est déjà installé. On va cliquer non. Et après, installer, stop. Après, si après, vous pouvez partir dans le Word. Exemple, si vous en téléchargez, vous pouvez aller dans le Word. Ouais, après on part ici et après ils sont ici. Ça veut dire que si vous en téléchargez, ils vont se reproduire ici. La police ici, il y en a certains. C'est là, j'ai envie de voir. C'est CHS. Bon, il faut voir. Aussi, vous pouvez en télécharger de l'internet sur 48. Bon, vous pouvez en télécharger ici. C'est eux, c'est ce que je vous parlais. Les voilà, les polices. Ça veut dire que Arial, on va les voir dans Arial, c'est la plus connue. Arial, Arial, c'est dans les A. Ah. On n'a pas qu'ils ont été coupés, là voilà Arial. Ici on a, on va dire, un dossier. Tu peux choisir Arial, or, Arial Black, Arial. Regardez, Arial Black, c'est ça. Arial réduite, je sais pas trop quoi. C'est ça. Ils sont déjà installés, vous voyez, si c'est déjà installé. Vous pouvez imprimer, je trouve que c'est inutile. Dans un autre vidéo, je vais vous montrer comment on en crée. Des polices d'ordinateur FR. Tu m'as envoyé un document FR si mon ordinateur est en anglais. Je vous montrerai comment faire sur Windows sans télécharger d'application, sans Paint, sans Photoshop, même si je l'ai. Ok, ça veut dire qu'on va partir dans le symbole. Sun, c'est, je pense, Sun Microsystem, évidemment. C'est la compagnie Sun que Oracle a acheté, parce que c'est marqué Java Développement. Alors Sun, c'est une compagnie que Oracle a acheté. Alors, le document le plus important, c'est lui. On va aller dans Web. Ça veut dire que c'est ici où on va retrouver les fonds d'écran. Ici, c'est Next Background. Des trucs comme ça. Ces fonds d'écran, ces images que vous les voyez, je vais vous montrer, ils sont ici. Je vais vous montrer comment on en faire un fond qui bouge par soi-même. Pardon, web. Ici, vous en avez, on va aller dans Dell. Ici, vous les avez. On va aller dans une connue, architecte, caractère Windows. Alors c'est celle-là, comme avant on l'avait vu. On peut pas faire deux pas. Non, il devrait être ici. Il n'y a pas de... Alors voilà, c'est ça. Ouais. Ok, c'est bien. Alors maintenant, on va... Ici, il y a comme register, ça a l'air une image de caméra. Il y a certaines applications que vous avez envie d'ouvrir, mais vous savez pas c'est quoi. Je vais vous dire, ça c'est un fond d'écran de veille, un fond de veille. Alors, je sais pas si vous voyez. Yo! Ok, je sais pas si vous avez vu. Ouais, alors, ok, c'est bien.
Ok, alors c'est quelque chose comme ça. Et il y a ça, c'est Notepad, c'est Bloc-Notes. C'est l'application que j'utilise assez souvent, par exemple. Rien de particulier, c'est voilà, c'est ça. C'est là où on le retrouve dans les langages et tout ça. C'est ouais, j'en ai déjà fait un en code, c'est pas mal comment ça fonctionne. C'est un logiciel pas assez que je l'aime beaucoup, Bloc-Notes. C'est la même chose, voilà, autoenregistre.txt. Il a un register, ça c'est comme, on peut l'utiliser aussi cette application pour le hack. Ouais, vous pouvez l'utiliser pour le hack. License et des trucs comme ça. Ici, vous devez supprimer les documents. Certains documents ne peuvent pas tout supprimer. Et dans une vidéo, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Certains sont comme beaucoup de lignes de code. Des fois, des images, vous pouvez les ouvrir. C'est quoi ça? Merde. Putain. Bon, alors, désolé si vous n'avez rien vu ou si vous avez vu quelque chose. Moi, j'ai vu un fond noir. J'étais très surpris, c'est quoi? Alors, à ne jamais ouvrir ce mini document. Je sais pas c'est quoi, je sais pas si ça fait seulement l'ouvrir comme ça. Alors, ça, c'est comment s'appelle le document pour. Mais comment s'appelle déjà? Internet. Est-ce que c'est Windows? Bon, c'est celui-là. Alors, si vous allez partir ici, vous allez cliquer ici, ça va vous ouvrir la même chose. Le voilà. Ici. Maintenant, nous allons partir dans une place très importante où je dis que ça, assez souvent je pars ici. Une place très importante, c'est Système 32. Alors, ici, il y a encore plus de documents. Mais à ne jamais, à ne jamais ouvrir, ne jamais s'amuser à ouvrir. Un jour, c'est comme j'ai cliqué sur un bouton. Après l'ordinateur, j'ai cliqué Next tout le temps. J'ai cliqué sur comme un choix de réponse. Enfin, elle a éteint mon ordinateur. Elle a rallumé. Et elle m'a mis comme. Comme un, pas un fond, mais elle m'a mis. Le démarrage qu'il a fait était différent de ce qu'il avait fait d'habitude. Alors, ne pas être très curieux. Mais n'empêche, eux, vous pouvez les ouvrir en bleu. J'ai oublié comment on fait. Pour les mettre, je sais quand même, plus ou moins, tu vas cliquer CSYS, les documents, point SYS. C'est les documents que, quand vous le mettez en, comment ça s'appelle, à ne jamais supprimer, même si elle ne va pas vous tolérer à les supprimer. À ne jamais essayer aussi de les supprimer. Alors, trouver des failles. Puisque c'est le document, on va dire, que quand vous le mettez en mode Safari, non, moi j'appelle Safari, c'est comme en quoi ça s'appelle? En mode. J'ai oublié, c'est quoi? Quand on éteint l'ordinateur de. On clique ici, shutdown, on clique directement. Moi, quand on éteint directement, on l'arrête tout directement, presque après, quand elle ne rallume, après, elle a le choix. Des trucs comme ça, c'est le document qu'elle va aller les lire pour qu'elle puisse les ouvrir. Alors, nous allons pas aller ici, on va rien supprimer. FR, ça c'est comme des trucs. Ça veut dire mon point NUI, et je pense que c'est des installations, des trucs. Boot, c'est comme reboot. C'est comme ça, moi en anglais. Et c'est les dossiers, je pars assez. Rarement je pars. Pas au cher, c'est de là que je vous parlais.
Alors, c'est ce logo que je vous parlais avant. Et ça donne ça quand on loue. Ça donne ça? Non, ça donne pas ça. Il y en a un autre qui était différent. CMD. Ok. C'est un peu comme DOS. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas Wings. PowerShell, j'allais écrire quelque chose que je devais pas trop le faire, mais bon, j'allais écrire. Ah, mais dire, c'est pas très, c'est comme c'est directory. C'est un peu comme DOS, ça contient, je sais pas, ça contient exactement tous les mêmes langages, mais j'écris des langages pour DOS, CMD. Alors ça c'est un ordinateur, voilà. Alors les documents DLL que vous voyez, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. Je suis en train de mettre un autre vidéo les trucs les plus bizarres de Minecraft. J'espère que ça va fonctionner. Donc vous pouvez voir les documents DLL dans mon vidéo que j'ai fait sur les documents DLL. C'est dans ici YouTube et Rico. Alors, vous pouvez vous abonner à ces deux chaînes, c'est les miennes. C'est le DLL, c'est tuto HTML. C'est tout ça, c'est moi qui les a fait. C'est l'ordinateur, c'est moi qui les a fait. Ça, je vais faire avec mon frère. Comment ça s'appelle? Ok, dernière. Ça, c'est une semaine, 9 vidéos. Combien? 4 abonnés. S'abonner. Je t'ai pas déjà abonné. Ça, c'est mes cousins. Mon cousin sur la guitare est arrivé troisième sur 200, quelque chose comme ça. C'est un vrai record. Alors, c'est ce vidéo. Alors, ouais, alors je vous invite à le regarder. Je vais même pas vous expliquer c'est quoi le DLL. Après, bon, je vais ouvrir Photoshop. Hein. Bon, c'est pas grave. Seulement pour vous expliquer que DLL, c'est des options. Les trucs comme ça, ne jamais supprimer, on les retrouve souvent ici. Ici, on a qui s'était coupé, ça veut pas dire que si ils étaient coupés, vous pouvez les couper, plutôt les supprimer. Puisque assez souvent, on voit des documents qui sont coupés et on ne sait pas pourquoi ils sont coupés. Alors ça, c'est l'ordinateur qui les a coupés automatiquement. Si vous en avez certains, ça c'est Bobo, ça c'est mon écran assez populaire que vous voyez ici. Voilà. Comme ça qui font des bulles. Ici. Et eux, je pense qu'ils ont été créés par PowerShell. Si je ne me trompe pas, ils ont été créés par PowerShell. Parce que si vous voyez ici dans le langage, j'ai vu, même il faut pas trop écouter la chose. Il faut jamais écouter la chose d'ici. This program cannot be run in DOS mode. C'est-à-dire ce programme ne peut pas ouvrir en DOS mode la dernière fois. Plutôt pas la dernière fois. L'année passée, je l'ai ouvert en DOS mode. Et maintenant, j'ai vu qu'en Visual Basic, elle va toujours t'écrire This program cannot open in DOS mode. Alors, aujourd'hui, avant de faire la vidéo, j'ai vu à une place que c'est marqué. Dans les langages que c'est marqué ici, Windows Power Shell, Windows Shell. Si c'est Windows Shell, c'est même que Windows. Attention, Windows Power Shell. Ici, il y a un site internet. Aujourd'hui, j'ai vu c'est quoi ce site internet. Ça n'a pas trop fonctionné. Ça m'a donné que je ne pouvais pas. Elle me laisse pas accès ou quelque chose comme ça. Ça m'a donné ça. Ça m'a donné un message. Le voilà. Ok, rien, rien. Putain.
Okay, the resource you are looking for has been removed, name or invalid. Bon. Alors, je pourrais vous faire dans cette vidéo comment ouvrir les trucs qui vous bloquent avec DOS. On peut être dans une autre vidéo. Ici, il y a certains trucs très bizarres que vous pouvez, on va dire que c'est comme vous disiez, cette chose-là est impossible à faire. Et des trucs comme ça, par exemple, eux, je les ai déjà fait sur le clavier. C'est assez cool pour les faire. Si vous pouvez, des fois, il y a comme des détails impressionnants dans tout ça, regardez. Alors, voilà les langages. Alors, il faut trouver le bon décodeur. Il faut avoir la patience pour écrire tout ça. Ok, alors ça a l'air Bluetooth. C'est le logo de Bluetooth. Oh merde. Ok, bon, c'était le téléphone qui avait sonné. Ça, c'est calculatrice. Oui. Ça, c'est comme tu autorises les options, tu dois aller dans. Voilà, ouais, comme ça, voilà, calculatrice. 1 plus 1 égale. Yeah! 2. CO2, pas. Ah, c'est le C. Voilà. 5, c'est bien. Elle me dit la vérité. Ici, il y a certains documents ici que vous pouvez trouver dans l'outil d'administrateur, dans le contrôle parental. Dans ici, large, small, outil d'administrateur, il me laisse pas accès, je sais pas pourquoi, il y a un problème dans la tête, et par contre, je suis administrateur, je suis sur l'administrateur catégorie, je pense ça, il faut aller voir ici, vous voyez, administrateur. Bon, alors ça, c'est comme pour faire des, pas des logos, c'est comme des symboles. On les retrouve aussi sur Word. On peut cliquer Select. Et ça, les polices. Évidemment, en haut, je venais tout juste de voir Arial. Une place. Là, Arial. Black, Arial. Plusieurs sortes d'Arial. Aussi, vous pouvez en télécharger. Et ceux de Windows, c'est ceux qui ont été téléchargés. C'est comme des trucs, comme des trucs. On peut les retrouver. On peut télécharger l'internet comme quand on télécharge comme Photoshop et eux, vous entendez quelques-uns. Ça s'appelle Adobe quelque chose. Puisque moi, chez Photoshop, ça devrait être appelé Adobe. One place. Bon, je vais quand même vous faire un grand survol un survol de tout ça. Mais c'est ça, c'est le système rendu en administrateur. Ça, c'est offrir en tant qu'administrateur. Alors, ça, c'est le DOS ordinaire, CMD. Alors, c'est comme si on offrir ça comme. Bon, voilà, c'est la même chose. Mais seulement que ça, je suis pas. Je n'ai pas ouvert en tant qu'administrateur. Open as administrator. Le voilà, administrator. Ça, c'est un vide de commande. Ça, c'est PowerShell. PowerShell, non, rien. Alors ça, c'est DOS ordinaire, si on écrit CD 2. Ça fonctionne. On écrit W, non pas Win. CSET, ça fonctionne. IPCONF. IG. Ça, on clique Enter. Je vais pas cliquer Enter, puisque c'est comme. Puisque si elle clique Enter. Ça veut, je vais, sinon je devrais cacher, quand on les met embrumés, puisque c'est comme, même si j'ai 4 adresses IPv4 différentes pour mes serveurs, on empêche, ça c'est DOS, c'est, je sais pas trop quoi, je pense que c'est plus une web application, une application web. Contrôle, c'est, comment ça s'appelle, c'est, pas de, c'est contrôle parental. Ça, c'est pour mettre des clés pour des documents, des trucs comme ça. Ça, c'est quand pour les documents, quand vous écrivez, quand vous enregistrez un document, comment ça s'appelle? Les documents.
Document VBS, ça c'est l'application qui vous ouvre en général, c'est celle-là. Non, c'est pas comme ça. Certaines, il y en a quelques-uns qui vous donnent envie de les ouvrir. Bon, vous pouvez les ouvrir, mais ne cliquez pas, ne vous amusez pas à on va dire, à s'amuser, tac, 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 à les ouvrir partout, puisque ça c'est dangereux. Les documents ici, par exemple, lui en vert, comme ça. Ça, chez Adobe, comment ça s'appelle? Quelque chose comme ça, DR. Moi, j'appelle DR, c'est lui. Ça, c'est lui, Adobe, vous n'êtes pas. Il n'est pas sur votre ordinateur, vous devez le télécharger. Ça, j'ai oublié, c'est quoi? Non, ça, c'est une merde. Ça, c'est un. Open Files. Je sais pas c'est quoi ça, c'est comme je pense pour le partage de fichiers. Ça, oui, ça c'est le partage de fichiers. Ça, on le retrouve ici. Le voilà. Alors, si vous n'en avez aucun, c'est normal au début. Quand vous avez Windows, vous n'en avez aucun. Alors, je vois le document VBS. Oui, puisqu'on a fait un, on va dire, un share screen. Le laptop, c'est Windows 8, ça c'est Windows 7. Lui en général devrait me l'ouvrir. Ça c'est comme un écran d'ordinateur. Bon, je vais faire un petit survol puisque vous voyez on est à peu près à la moitié. Ça ressemble au Office 2013 et je pense que je l'ai mais elle ne devrait pas vous l'installer ici. Bon, c'est comme elle veut. Déjà que ça appartient à Microsoft. Qui se casse la tête. Alors, ça c'est la connexion RDP. Ça finit. Quoi non? Ok. La connexion RDP est un ralenti ordinateur. Le voilà. Voilà si vous pouvez vous connecter sur un serveur. Ça c'est l'ancien de mon école. Le nouveau c'est ça. Non, c'est rien. Quoi? Ça devrait être valide. Non, rien. Bon, après, ici, vous pouvez mettre le nom de votre ordinateur et tout ça. Et après, ça, c'est pour les connexions, les serveurs RDP, tout ça. Ça, c'est un autre fond d'écran. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est comme narrateur. Ça sert, je pense, pour lire. Il se retrouve ici dans All Program. Moi, je l'ai en anglais. Ici, vous les avez. Le voilà. Ça, c'est la look la plus énervante et le clavier. Bon, ok. Ça, c'est. Je sais pas. Il y a plein de documents derrière. Notepad, il se retrouve aussi ici. Si vous en avez exemple deux copies, ne supprimez pas une. Puisqu'on ne sait jamais. Puisqu'on ne sait jamais qu'est-ce que ça va faire. Ça, c'est le clavier. Clavier Windows. Windows 7, puisqu'il y en a un autre Windows 8. Ça, c'est une icône. Celle en haut, celle qui ressemble à. Comment ça s'appelle? Oublié. Ça fait déjà 30 minutes, imagine presque. Je vais un peu accélérer puisque je ne veux pas faire une longue file. Alors ici on a un autre. Windows 7. Et ça c'est comme les trucs, les notes. Wow. Ok, alors ici vous pouvez écrire B. Bon, voilà. On clique X comme ça, yes. Bon. Il y a... Wow, ça m'a fait peur. Le bruit. Dehors.
Bon, ok, ici c'est des trucs, des informations. Alors, on va pas faire tout le survol ici. Lui, il avait fonctionné. Alors, tu vois, c'est ça le document VBS. L'application totale, ça c'est comme des installations. Vous n'êtes pas obligé de les installer pour ne pas qu'elle va aller mélanger votre ordinateur. Alors, on part, on fait back. Oh, ici, on a pas beaucoup. Alors, juste pour vous dire, l'application que tout le monde l'a, j'ai remarqué, mais elle n'est pas obligatoire. Même moi, je me suis demandé c'est quoi cette application Bonjour. J'ai réalisé que ça appartenait à Apple. Alors, voilà. Alors, ça, c'est l'application Bonjour. C'est celle de Apple. Et avant, je me suis demandé c'était quoi. Alors, ça, c'est dans le. Ok, voilà. Ici, vous n'avez pas les mêmes documents. C'est pas pour ici chez Yahoo, chez Skype. Aussi, c'est Java Server. Adobe. Ici, il y a comme Adobe, il y a le Flash Player. Il y a Photoshop. Photoshop. Le vrai Photoshop. C'est à une place. Bon. Voilà. Il y a ça. Ouais, ici, ça c'est Office Homer 2. Ouais, et la place, je vais vous montrer une autre place, vous pouvez aussi découvrir. Et une autre place que personne sait, c'est quand même très compliqué. Une autre place où. Ok, alors ici, on va partir dans. On va enlever ça. Pourcentage. A P P D A T A P P attends Updata comme ça vous pouvez mettre en majuscule je vous laisse le temps de l'écrire attendez c'est pourcentage c'est lui c'est le premier ici ou aussi vous pouvez partir pas tout le monde a les mêmes aussi vous pouvez partir si vous aurez la chance. C'est d'aller dans ici, dans ici, il a été coupé, je sais pas pourquoi. Et après, vous y êtes, non, c'est pas ici, c'est dans le, non, c'est pas ici, c'est dans, c'est quoi? Pourcentage. Pas tout le monde a ça, c'est dans roaming. Alors, Minecraft, pour ceux qui connaissent Minecraft, le jeu, Minecraft, tout le monde le connaît. Dell, Dropbox, je vais supprimer. Lui aussi, je vais supprimer Google. Ça, c'est Google là-bas, Google, les trucs. Ah, ça, c'est le CF, ouais. Qui coûte 300$. C'est Cinema 4D, l'écho. Voilà, bon, ici, vous en avez quelques-uns. WinRAR, pour ceux qui connaissent WinRAR. Quelque chose qui sert à extraire les documents. WinRAR ça prend pas d'espace. Le voilà. WinRAR roaming. Alors c'est ça, UTorrent. C'est Camtasia. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est dans une place ici. C'est du puits c'est si vous avez du puits c'est antidote juste pour vous dire pour ceux qui sont antidote c'est du puits alors bon c'est mal ça alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo je vais en faire un autre mais peut-être pas non pas aujourd'hui je sais pas parce que aujourd'hui je n'ai pas de l'école moi je vais en faire un sur Mac, comment aller sur Mac. Sur Mac déjà, c'est compliqué. Et ouais, et c'est compliqué. Mais sur Mac, pas tout le monde le sait, je l'ai découvert par moi-même. J'ai même dit à un programmeur ou informaticien, quelque chose comme ça. Ouais, et il savait pas trop quoi me dire. C'est comme... Et ça, il n'a pas trop compris ce que j'avais dit. Alors, je vais vous montrer, alors je l'ai découvert par moi-même, ça va fonctionner.
Et je vais vous faire un autre sur Marc. Ça va être mon premier vidéo sur Marc. Bon. Alors, malheureusement, à la fin de cette vidéo, abonnez-vous. Voilà. Avant, vous l'avez vu, Joey Apsi. Vous pouvez vous abonner sur les deux chaînes si vous avez passé à quelle. Oui. Une de Lego et une d'électronique, d'informatique et de jeu. Alors, bye. Et n'hésitez pas à mettre un pouce vert.